Bonjour monsieur. Bonjour. Ça évoque quoi la journée du 24 novembre pour vous? Voilà mon ami qui a Peut-être que je le sais, mais... Non, mais enlève le masque. Oui. 14. La légalisation de l'avortement par Simone Veil. C'est une journée très symbolique, car c'est le 26 novembre 1974 que Simone Veil avait défendu la loi permettant enfin l'avortement choisi. Mais c'est également symbolique à d'autres sujets, puisque nous sommes là dans l'Éden, l'Éden qui était la salle initiale des Frères Lumière. Et si Simone Veil a connu la Ciotat, c'est parce que, faut le savoir, c'est son père architecte qui avait été, lors de l'aménagement de la propriété des Lumières en Clos des Plages, l'architecte du Clos des Plages. Et c'est comme ça qu'elle est venue ensuite, plusieurs années, dans une villa que s'était construit son père, passer les vacances à la Ciotat. Et c'est un peu le début, je crois, du film que nous allons voir. Alors, je suis très heureux que le Rotary de la Ciotat inaugure cette tournée du film avant même qu'il soit présenté au public, puisqu'il sortira officiellement en salle en février. Et merci au Rotary national et particulièrement au Rotary de la Ciotat de nous permettre d'avoir une avant-première mondiale. Une fois de plus, à l'Éden, à la Ciotat. Grâce à ce film, nous avons pu collecter pour environ 4000 euros. Plus de 300 personnes sont venues voir ce film. Et encore, merci à tous.